Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous savez, on est en période de confinement avec le coronavirus. Donc bon, on va essayer d'être positive et de good vibes. Et pour pas vous ennuyer pendant ces 15 jours minimum, je vais vous proposer plusieurs activités ou petits trucs à faire. Vous pouvez tous faire chez vous. Donc j'espère vraiment qu'avec ces petites astuces et ces conseils, vous allez ne plus vous ennuyer chez vous, puisque justement cette vidéo est là pour combler votre ennui. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous intéresser. Et je vous laisse avec la suite. C'est parti, let's go! Donc par exemple, vous pouvez faire des mandalas, c'est toujours cool pour tuer l'ennui. Ensuite, quelque chose qu'on ne fait jamais, mais c'est de vider son téléphone. Donc là, on a le temps, donc autant vider sa boîte de mail ou alors ses photos aussi, puisqu'on ne prend jamais le temps de le faire, mais c'est important. Ensuite, vous pouvez aller sur vos applications de musique et vous créer des playlists, comme ça, vous pourrez les écouter quand vous voulez. Ce qui peut être bien aussi, c'est de faire la liste des 100 choses à faire avant de mourir pour voir tous les rêves que vous voulez accomplir. C'est aussi le moment de prendre du temps pour lire donc tout type de livre que vous souhaitez et vous construire une culture. Ensuite, pour les choses un peu plus chill et posées, il y a Netflix, donc ça vous connaissez tous. Donc vous vous posez dans votre lit, sur votre canapé avec une bonne série ou un bon film Netflix et ça fait toujours l'affaire. Toujours dans le même registre, vous pouvez traîner sur YouTube. Donc moi j'aime beaucoup, je regarde plein de vidéos de youtubeuses et ça fait vraiment passer le temps. Ensuite, vous pouvez faire des selfies ou alors des photos pour votre page Instagram ou même pour vous-même, ça fait toujours des souvenirs. Après, ce qui peut être bien si vous êtes vraiment motivé, c'est d'apprendre une nouvelle langue. C'est toujours cool d'avoir des nouveaux savoirs ou bien alors de renforcer une langue. Pour ceux qui sont un peu plus créatifs, je vous conseille de faire des DIY, donc voilà, de remanier des petits outils scolaires pour les faire un peu plus jolis et motivants. Puis ce qui peut être bien, c'est de regarder ces albums photos pour ceux qui en ont, pour se remémorer des souvenirs du passé, c'est toujours cool. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire, c'est de découvrir des nouveaux jeux sur mon téléphone. Donc vous allez sur la plateforme de jeux de votre téléphone et vous installez des nouvelles applications et c'est top. Pour passer le temps, vous pouvez aller aussi vous inspirer de nouveaux looks. Comme ça, dès que vous pourrez sortir ou dès que vous voulez bien vous habiller, vous avez des idées de tenues déjà faites sur internet. Évidemment, un truc à faire, vu qu'on ne peut plus voir ses amis, c'est de les appeler, donc soit par FaceTime, soit juste un appel vocal. Puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez installer l'application TikTok, parce que depuis que je l'ai, personnellement, j'adore passer du temps dessus, voilà, c'est addictif. Et des fois, j'en fais juste pour blaguer, mais sinon, vous pouvez aussi apprendre des chorés pour ceux qui veulent. Faut pas oublier évidemment qu'on n'est pas vraiment en vacances, on a des cours à tenir, donc autant mettre à jour ses leçons, ses cahiers, etc. Comme ça, à la rentrée, on aura tout de propre. Après s'être mis à jour dans ses cahiers ou dans son ordi, il faut apprendre ses cours ou les réviser ou faire les devoirs que demandent les professeurs, ça dépend de votre classe.
C'est aussi le moment pour se maquiller, pour s'entraîner à se maquiller, pour tester de nouvelles choses. Voilà, vous pouvez regarder des tutos make-up aussi qui vont vous apprendre de nouvelles manières de vous maquiller. Comme ça, la prochaine fois qu'il faudra bien vous maquiller, vous saurez comment faire. Truc auquel on ne pense jamais et qui est super important pour l'hygiène de votre peau, c'est de laver vos pinceaux, donc c'est justement le bon moment pour faire ça. Vous pouvez toujours vous faire une petite manicure tout seul chez vous, c'est toujours sympa et ça fait passer le temps. Ensuite, je trouve que c'est le moment où il faut profiter pour ranger sa chambre, son lieu de vie, puisqu'on va passer 15 jours minimum enfermé là-dedans, donc autant avoir un espace sain et rangé, et comme ça sera fait pour la rentrée. Vous pouvez aussi en profiter pour faire un tri dans vos affaires, donc que ce soit dans vos vêtements ou dans votre maquillage ou dans vos affaires personnelles tout simplement, et faire des tas de choses à donner ou à vendre. Comme ça, ça va libérer de l'espace dans votre chambre et ça va vous permettre de trier les choses dont vous n'avez plus besoin. Ensuite, c'est aussi une bonne occasion de faire du sport chez soi, donc sans matériel ou alors juste avec un petit tapis. Donc moi personnellement, je m'aide de cette application PhysUp et ça m'aide vraiment à me motiver pour le sport. C'est aussi un bon moment pour apprendre à cuisiner puisque vous êtes entouré de vos parents ou de votre famille. Donc c'est toujours bien pour apprendre de nouveaux petits plats. Ensuite, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est d'apprendre le code, puisque vu qu'on a pas mal de temps libre, je me dis que c'est un bon moment pour apprendre ça. Donc, je me suis inscrite sur l'application Ornicar et j'ai aussi l'application sur les téléphones Code de la route. Ensuite, ce qui est bien de faire avec tout ce temps, c'est de redécouvrir les basiques et de passer du temps avec sa famille, donc en jouant aux jeux de société par exemple, ou aussi en jouant aux jeux vidéo, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, la dernière activité que je pourrais vous donner, c'est de prendre soin de vous, donc voilà, de faire des masques, vous avez le temps, donc que ce soit au visage, aux cheveux ou même au corps, voilà.